thank <smart noise> you À tous, c'est Ludo. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Alors j'ai posté quelques shorts hein, sur la chaîne, mais pas de vidéo review, de vraies vidéos travaillées. Euh, voilà, c'est chose faite. Ça sera la première vidéo de l'année. Je suis très content de pouvoir tester cette euh, Under 3 S1 Pro que j'avais vraiment envie de tester depuis un moment. Et j'ai été contacté par euh, euh, Geekbuying et Fanny de chez Geekbuying que je remercie. Euh, qui m'a demandé si je voulais tester euh, une imprimante ou une graveuse laser et elle m'a donné euh, le choix entre les deux et donc j'ai préféré pour l'instant euh, tester la Under 3 S1 Pro. Si vous connaissez pas Geek Buying, je vous mets un lien dans la description. Je vous mettrai aussi euh, un lien pour pouvoir acheter cette machine chez eux. Euh, voilà, ça permet aussi de rémunérer un peu la chaîne et ça permet aussi de créer des partenariats pérennes avec les distributeurs ou avec les marques. Alors je vous spoil au direct, hein, cette machine est l'une des meilleures, voire la meilleure de sa catégorie, mais je vous cache pas que ça a un prix. On va commencer par regarder ce qu'il y a dans la boîte et ce qui est euh, livré avec cette imprimante. Je ne vais pas faire le montage, hein, il est assez simple, elle est quasiment euh, assemblée, en tout cas elle est pré-assemblée à 90%. Il y a quelques vis à monter, mais c'est vraiment euh, très simple et le manuel est assez bien fait. Et euh, Cocorico, le manuel est en français et euh, a priori c'est euh, la seule machine de la gamme qui l'est puisque la S1 euh, qui n'est pas pro, donc la S1 normale, elle a seulement un manuel en anglais ou en chinois et ils ont fait l'effort pour la S1 Pro de faire un manuel en français et euh, ben on va apprécier le geste hein, pour le prix. Et puis une chose importante, j'en reviendrai dessus un peu plus tard mais on a une petite feuille qui est livrée avec euh, alors qu'ils disent qu'elle qu peut servir, c'est une feuille un peu plastifiée. Qu'elle peut servir à faire le nivelage plateau, je vous le déconseille, euh, bien qu'il euh, y ait une copie en format PDF de cette feuille euh, sur le fichier qui est fourni sur la carte SD. Euh, voilà, on a euh, sur cette feuille tout, tous les paramètres d'impression préconisés par Creality sur le PLA, le TPU, l'ABS, le PETG, le carbone PLA, donc le PLA chargé en carbone. Le carbone nylon, l'ASA, le silk, le PLA wood et euh, le nylon. Euh, donc, on a euh, les paramètres euh, savoir s'il faut que ce soit euh, dans un, une enceinte close ou pas euh, savoir s'ils si, euh, préconisent d'avoir le filament stocké dans une dry box, donc euh, à l'abri de l'humidité euh, les paramètres de rétraction donc euh, en distance les paramètres de rétraction sur euh, la vitesse de rétraction la température du plateau chauffant, la température de la buse, la vitesse de ventilation et, en, et enfin, pardon, euh, la vitesse d'impression. Et euh, j'ai suivi ces préconisations pour les différentes impressions que j'ai faites. J'ai fait une impression aussi en, en ABS et, et ben, il faut dire que ça fonctionne plutôt bien. Allez, on regarde tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Vous êtes un débutant vous pouvez aujourd'hui acheter cette imprimante et vous n'aurez rien à rajouter puisque elle est équipée de toutes les fonctions dont on a besoin pour démarrer et puis pour, pour pouvoir poursuivre dans l'impression 3d de manière assez facile alors elle est équipée d'un châssis complet en aluminium avec des profilés elle a la particularité cette machine d'avoir un carénage plastique sur toute la base et avec un petit euh, tiroir sur la partie avant sur lequel enfin, dans lequel vous allez pouvoir mettre vos outils ça lui donne un design sympa euh, le petit inconvénient du plastique c'est que sur certains mouvements et eh ben ça peut faire un peu caisse de résonance et se mettre à vibrer euh, voilà ça arrive quand elle fait un homing euh, donc quand elle remet ses axes euh, au niveau zéro Euh, mais voilà, dans l'ensemble, après, la machine est quand même relativement silencieuse. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouvera euh, une carte mère 32 bits qui a la particularité d'avoir un lecteur de cartes SD, non micro SD, et puis surtout un port euh, USB-C. Euh, voilà, c'est la première imprimante que je reçois euh, équipée d'un port USB-C. Petit bémol, euh, c'est que Creality n'a pas fourni de câble USB-C, peut-être en se disant qu'on en avait tous à la maison. J'aurais bien aimé qu'on en ait un puisqu'on a tous des câbles de charge USB-C mais qui font 1 1m mètre ou 1 mètre 50. Moi, j'aimerais bien que les fabricants d'imprimantes 3D arrêtent de nous livrer des câbles, ou de ne pas nous livrer de câbles d'ailleurs, mais quand ils nous en livrent des câbles de 30 cm. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai rarement euh, mon ordinateur euh, à 30 cm euh, de euh, mon imprimante. J'aimerais bien qu'ils euh, qu commencent à nous livrer euh, des câbles de 1m50 ou de 2m qui nous permettent de pouvoir raccorder notre imprimante à notre PC sans avoir à faire des bidouilles. Alors quand on a un, un PC portable, euh, c'est assez facile, mais quand moi, euh, si vous avez un PC fixe, eh bien c'est un peu relou. Alors j'ai acheté une rallonge, je vous mets euh, un lien dans la description, j'ai une rallonge de 2 mètres en USB 2, euh, qui me permet de pouvoir raccorder mes machines de mon PC qui est là-bas, jusqu'à mes imprimantes qui sont ici. Mais voilà, si, euh, si c'est votre première imprimante, euh, bah, vous n'avez pas forcément le câble USB qui ira avec. C'est une petite remarque, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est un peu frustrant d'avoir le cordon USB et de ne pas pouvoir raccorder son imprimante si on en a besoin. On retrouvera aussi à l'intérieur de ce boîtier une alimentation 24V, euh, 350W, donc qui va alimenter la carte mère, les moteurs, la tête, et puis le plateau qui est lui aussi en 24V. Comme vous pouvez voir sur la carte mère, on a des drivers fixes qui sont soudés, vous ne pourrez pas les changer, je ne sais pas quel type de driver c'est, si c'est des TMC 2208, ou des TMC 2209, en tout cas ce sont sûrement des euh, drivers de la famille TMC, puisque ce sont des drivers silencieux. Euh, voilà, donc vous ne pourrez pas euh, les changer si jamais vous en avez besoin, s'il y en a un qui crame, vous serez obligé de changer la carte mère. Et on a un ventilateur de 80 mm qui refroidit euh, ces drivers et qui les refroidit bien. Alors, euh, gros changement notable par rapport à la Under 3V2 que j'avais testé sur la chaîne c'est que euh, on voit qu'au niveau du cable management, il y a de la place, c'est euh, très bien agencé, c'est très bien câblé, c'est très propre, et on n'a pas euh, tout un fouillis de câbles qui traînent devant euh, la carte mère qui, a, qui peine à, à refroidir avec un petit ventilateur. Là, vraiment, tout est aéré, tout est espacé, la machine respire, la machine est bien câblée, c'est propre, et ça, franchement, euh, voilà, je trouve que c'est un vrai plus par rapport à la Under 3V2, et euh, Creality a fait des vrais efforts là-dessus. Un autre branchement qui est aussi un gage de qualité, c'est celui du plateau chauffant. Ça fait, on a un cordon moulé, euh, fixé avec deux vis, qui, est vraiment, qui tient très bien et qui fait très professionnel. Donc ça, j'apprécie aussi beaucoup. On retrouve sur les axes. Alors je vais pousser notre ami Vador. On retrouve sur les axes X et Y des tensionneurs de courroie. Euh, donc c'est assez commun maintenant, mais bon, c'est quand même bien de le préciser. On retrouvera euh, un écran tactile euh, de 4,3 pouces. Je vous dis après la différence entre la S1 et la S1 Pro. Je finis de faire le tour des, des features là. On a euh, un plateau magnétique en PEI. Voilà, PEI texturé. Donc, qui aujourd'hui, je pense, une des meilleures bases euh, d'impression. Hein. Ça se décolle tout seul. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. La machine est équipée d'une reprise euh, après coupure de courant. Sauf que euh, si la coupure de courant est trop longue et que le plateau descend en température, bien la pièce va se décoller et en fait, en fait cette fonction ne sert plus à rien. Si vous avez une micro-coupure de quelques secondes euh, ou de quelques minutes mais vraiment très courte, bien le, ce, ce, ça devrait faire le job, euh, mais il faut que vous soyez là pour pouvoir la redémarrer. Par contre si vous avez une coupure de courant qui permet de laisser le plateau redescendre en température, eh ben, vous pouvez abandonner cette feature parce que euh, quand ça va reprendre, votre pièce va dégager et votre impression sera foutue. On retrouve aussi une poignée sur le plateau. Alors, c'est peut-être un gadget, mais si vous imprimez de l'ABS avec un plateau à 110 degrés, vous serez content de ne pas mettre les mains dessus et de pouvoir vous servir de cette poignée. Faites attention, vraiment, euh, 110 degrés, c'est très chaud. Ne mettez pas la main sur le plateau, servez-vous de la poignée. Pour la chauffe du plateau, il faudra compter à peu près 1 minute 50 pour pouvoir l'amener de 20 à 60 degrés. Et puis, euh, au niveau de la répartition, on voit que la température du plateau est assez homogène, hein, autour de 55 degrés. Euh, elle est plutôt bien répartie, donc vous ne devrez pas avoir de problème pour l'adhérence de vos pièces. On retrouve un écran tactile de 4,3 pouces avec une interface qui est plutôt sympa, mais... J'aurais vraiment aimé avoir quelque chose de mieux euh, par rapport au prix de cette machine, et je, je vais vous expliquer après pourquoi. À l'arrière de la machine, on aura donc un dual Z avec une courroie de synchronisation pour synchroniser les deux moteurs. On retrouve aussi donc un détecteur de fin de filament qui est monté sur un axe qui permet euh, d'avoir quelque chose de souple, euh, qui, qui permet à la bobine de se dérouler correctement. Et on a euh, sur ce bras donc en plastique qui soutient la bobine un dérouleur de bobine avec un roulement. Donc ça évitera euh, à vos bobines de faire des secousses quand elles se déroulent. Et puis, euh, petit plus qu'on retrouve sur la Under 3 S1 Pro, je vais l'allumer. Voilà, on a une petite barre à LED qui va vous permettre d'éclairer votre impression que vous pouvez allumer ou éteindre via l'interrupteur qui se trouve sur le côté. Et enfin, on retrouve l'extrudeur sprite de chez Creality. Alors sur la Under 3 S1 Pro, c'est un extrudeur qui permet de monter à 300 degrés. Donc vous pourrez faire... Euh, des impressions avec des matériaux plutôt techniques, hein, comme on a vu le, le nylon dans la liste que je vous ai donnée tout à l'heure, vous pourrez faire aisément de l'ABS sans risquer de cramer un tube PTFE, puisque là, on est tout en plein métal et c'est un extrudeur qui fonctionne vraiment très bien. Alors, j'ai l'habitude de les démonter, et là, je n'ai pas voulu me risquer à le démonter, je vous ferai quelques images, mais euh, en tout cas, c'est un extrudeur qui fonctionne très bien et qui vous permettra de travailler sur beaucoup, beaucoup de, de matériaux différents. Et ça c'est vraiment un plus sur cette imprimante. Et on retrouve monté sur la tête d'impression euh, un capteur CR Touch, donc un capteur de nivellement automatique par palpation. Voilà, d'une manière générale, j'aime beaucoup le cable management de cette imprimante, hein, tout est bien euh, tout est bien à sa place, il y a des clips pour la nappe, la nappe est fixée ici, elle est supportée pour pas s'abîmer. Euh, voilà, elle n'est pas trop courte hein, comme pouvait l'être la euh, Under 3 V2. Euh, tous les moteurs et euh, capteurs sont repris derrière sur une petite platine. Donc ça, c'est vraiment très propre et il euh, n'y a pas, il a pas grand chose à traîner. C'est vraiment sympa. Alors je vous ai parlé de la Under 3 S1 et de la Under 3 S1 Pro. J'ai pris quelques notes euh, pour vous donner un peu les différences entre ces deux imprimantes qui sont relativement similaires. Mais euh, avec une Under 3 S1 Pro qui sera plus complète. Tout d'abord, le prix. On a une Under 3 S1 à 395 euros au moment où je fais cette vidéo sur le site de Geekbuying contre euh, S, euh, contre 459 euros pour la S1 Pro. Euh, vous allez voir que euh, la différence est justifiée, notamment par rapport à l'extruder sprite euh, à 300 degrés mais aussi par d'autres features. On a un plateau en PEI texturé et une poignée sur la S1 Pro qu'on n'a pas sur la S1. Sur la S1, on a un plateau de type Bultac, mais c'est aussi un plateau aimanté. Donc ça vous permettra de décoller facilement vos impressions. On retrouve un écran en 4,3 pouces tactile sur la S1 Pro qui sera euh, un écran à molette comme la Under 3 V2 sur la S1. L'éclairage à LED n'est pas présent sur la S1, il le sera uniquement sur la S1 Pro. Alors ça c'est un détail, mais la notice et le support technique existent en français pour la S1 Pro, mais il sera uniquement en chinois et en anglais pour la S1. On a un carénage en plastique qui est un peu différent sur, sur la S1. Alors je ne sais pas pourquoi, hein, puisque la machine fait euh, le même format. Ils auraient pu faire le même carénage, mais ils ont voulu le distinguer. Ou alors euh, peut-être qu'il y a deux versions, que maintenant tout est sur le format de la S1 Pro, mais en tout cas... Euh, on peut le voir sur le site de GeekBain que euh, le carénage est légèrement différent. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu sur, euh, sur les différences entre les deux machines. Donc euh, le plateau, la poignée, euh, l'extrudeur, l'écran le, euh, tactile, euh, la barre LED. Et puis euh, bah, je pense que j'ai fait le tour. Et enfin un dernier petit détail, c'est qu'on a l'interrupteur qui est euh, sur le côté à l'arrière et pas derrière la machine à côté du cordon d'alimentation. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir à chercher où se trouve l'interrupteur quand vous voulez l'allumer. Bon là, il est de l'autre côté, c'était pour vous montrer, mais euh, voilà, il est visible, vous pouvez accéder sur le côté et euh, ça, c'est plutôt pratique. Avant de vous montrer les résultats d'impression de cette imprimante euh, en sortie de carton qui sont vraiment euh, excellents, je voulais quand même euh, noter quelques points d'amélioration, enfin en tout cas quelques petits points qui m'ont déçu. Euh, de la part de Creality, hein, parce que euh, voilà, ils ont une très grande expérience euh, sur l'impression 3D. C'est un des pionniers euh, sur ce type de machine et ils ont une force de frappe et un service R&D qui, je pense, est nettement supérieur à certains euh, fabricants. Et pourtant, il y a quelques petits détails qui, euh, qui, 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 sont pas à la hauteur euh, de leur renommée. Alors, j'avais noté en premier qu'il n'y avait pas de cordon USB-C fourni avec l'imprimante. Euh, ils fournissent une petite bobine, euh, je pense que pour le prix de la machine à 459 euros, euh, voire même plus euh, sur certains sites, euh, il pourrait fournir une bobine de 1 kg. Hein. Certains fournisseurs, fabricants, euh, fournissent des bobines de 1 kg avec des machines qui ont des prix plus faibles que celles-ci. On a un accès aux écrous excentriques pour régler le plateau qui est très restreint. Euh, voilà, le plateau est. Enfin, les vis de réglage et les excentriques sont très proches du carénage et c'est un peu galère pour pouvoir. Euh, Régler les excentriques, ça c'est un peu dommage. J'ai rencontré un problème de nivelage plateau, alors euh, c'était pas forcément malin de ma part, mais j'ai inséré la carte SD pendant qu'elle faisait un nivelage, ça a planté la machine. Alors euh, ça c'est le mauvais côté des choses. Le bon côté des choses c'est que la machine a redémarré automatiquement et a recommencé à faire euh, le sondage des points pour pouvoir faire le nivelage plateau. Donc c'est euh, un mal pour un bien ou un bien pour un mal, mais en tout cas. Euh, on a l'impression que la carte, elle n'est pas capable de gérer deux informations en même temps. On a, comme je disais tout à l'heure, des bruits de vibration sur certains déplacements. Ça met la caisse en plastique en résonance. Sur l'interface tactile, alors, je pense que c'est un choix de Creality. Je pense qu'ils ont les moyens de faire ça. Euh, D'autres le font euh, très bien. Donc, je ne vois pas pourquoi ils le feraient pas. Mais on n'a pas d'affichage des miniatures euh, sur l'écran. Donc, enfin, euh, moi, j'aime bien quand je vois en miniature. L'objet que je vais imprimer, là, on l'a pas. Je trouve ça dommage. Alors, peut-être que ce sera dans une, une future mise à jour, mais en tout cas, euh, sur la version du firmware que j'ai aujourd'hui, euh, ce n'est pas disponible. Un autre point qui m'agace, mais ça, ce n'est pas propre à Creality, c'est propre à, à plusieurs fabricants. On n'a pas de profil Cura. On a un Cura made by Creality. En fait, c'est une version modifiée avec leur logo et tout. Euh, mais ce sont toujours des vieilles versions. Là, on est encore sur une version 4.8 est aujourd'hui à sa version 5.2 alors arrêtez de faire des versions euh, dérivées de cura fournissez nous s'il vous plaît des profils euh, qui correspondent euh, à la version qui existe de cura donc un, un profil de cura en 5.2 j'aurais euh, et préféré d'autant mieux qu'une vieille version de creality et puis surtout J'en ai marre de. et j'ai pas envie d'installer euh, le Cura euh, by Creality, le Cura by Dagoma, le Cura by euh, Lego, le Cura by quelque chose. Fournissez-nous nous, simplement les profils, on les installe, et puis on utilise Cura pour toutes nos machines. Mais euh, arrêtez de nous fournir des, des, euh, des, des Cura modifiés euh, à votre sauce. Un truc aussi que j'ai pas très bien compris, la gestion du Z-offset, euh, on sait pas trop comment s'en sortir. Euh, en fait, il faut faire un nivelage manuel et puis euh, à la fin, il faut se mettre au milieu, se, se régler et puis enregistrer. Et en fait, il n'y a pas euh, la fonction Z offset tout simplement où on vient se faire un, un homing et puis le Z offset. Et puis surtout, les baby steps, euh, bah, en fait, on a des baby steps à 0,05 mm. Euh, alors que souvent, on a des baby steps à 0,025 qui sont un peu plus précis, qui sont de vrais baby steps. Je pense que c'est quelque chose à modifier sur la prochaine mise à jour du firmware. Je reviens rapidement sur l'écran. Euh, on n'a pas le nom complet qui s'affiche, euh, ni le nom, enfin, on pourrait avoir le nom qui défile pour être sûr d'avoir le bon fichier, en sachant qu'on a déjà les premiers caractères, c'est le nom de l'imprimante. Ça aurait été bien qu'on puisse avoir soit le nom complet, soit le nom qui défile. Et puis au niveau de l'affichage des temps restants et des temps écoulés, eh ben, en fait, ça bug et euh, ça ne fonctionne pas. Donc je pense et j'espère que ce sera euh, corrigé dans une future mise à jour. Et puis enfin, euh, non, pas enfin, il y a encore deux points. Il y a le support de bobine, voilà, alors là c'est une petite bobine, mais sur les bobines de 1 kg, on voit que ça euh, chambranle un petit peu et que euh, bah, quand les bobines sont un peu lourdes, le support a tendance euh, bah, à se plier un peu, enfin en tout cas à s'incliner. Il a l'air assez solide, hein, mais euh, bon, je, je, dans le temps, peut-être que le plastique serait amené à se déformer, j'espère je, pas. Mais en tout cas, c'est ce que je constate. Et puis euh, le dernier point, euh, alors j'y ai pas touché, hein, la machine est réglée comme ça, mais on a un moteur. De l'axe Y qui est brûlant, ne mettez surtout pas les mains dessus. D'ailleurs, il y a un petit autocollant qui dit euh, caution hot, attention c'est chaud. Euh, on a un, un moteur qui est à plus de 60, voire même 70 degrés dans certains cas sur des longues impressions, ce qui est assez étonnant. Hein. Normalement, on règle les drivers pour que les moteurs, enfin euh, on règle le VRF du driver, donc qui est la tension euh, de référence du driver, pour que celui-ci ne soit ni trop chaud. Euh, ni trop froid pour ne pas sauter des pas quand c'est mal réglé. Là il est brûlant. Alors euh, bah, voilà, Creality les a réglés comme ça, donc on va pas y toucher, mais euh, bah, il faut faire attention. Hein. Si un enfant passe à côté, euh, il pourrait se brûler, nous aussi on peut se brûler. Je, je trouve ça étonnant. Et puis un dernier point, euh, là c'est vraiment le dernier promis. Euh, J'allume la machine. En fait euh, la machine, quand elle est à l'arrêt ou en stand-by, on a un bruit de ventilation permanent. Euh, Aujourd'hui, il y a des fabricants qui savent le faire. Hein. C'est le cas de la Neptune 3 aussi que je vous présenterai prochainement. Quand euh, l'imprimante a fini d'imprimer ou quand on la démarre ou quand elle est en stand-by, euh, ben, euh, certains fabricants savent faire une machine silencieuse, c'est-à-dire qui euh, n'a pas de bruit de ventilation. La machine ne fonctionne pas, les moteurs ne sont pas sollicités. On n'a pas besoin d'avoir une ventilation permanente. C'est quelque chose qui existe dans les paramètres euh, de euh, Marlin. C'est quelque chose que euh, beaucoup savent faire. C'est dommage que Creality ne mette pas ça en œuvre sur son imprimante. On passe donc maintenant au résultat d'impression avec cette première impression. Donc euh, le petit chat déjà slicé est fourni sur la carte SD euh, imprimé avec un filament échantillon sur la partie basse et sur la partie haute euh, un filament gris brillant de chez Longer. Euh, on peut voir la démarcation sur le chat, c'est euh, le test. De la reprise après coupure de fin de filament. On se retrouve ensuite avec le benshi, imprimé aussi avec le filament de chez Longer. Alors tout a été euh, imprimé en 0,2 mm avec les euh, paramètres préconisés euh, sur le petit tableau de chez Creality. Et j'ai volontairement euh, éclairé en lumière rasante sur le plateau tournant les impressions pour pouvoir mettre en valeur tous les petits défauts. C'est une technique utilisée dans l'industrie. Mais euh, j'ai mis aussi pour quelques impressions, comme ici le benshi. On peut apercevoir l'impression. Euh, en lumière normale, et on peut voir que l'impression est, est très belle. La mise en valeur, c'est un choix. Hein. Après, euh, vous pouvez me dire si euh, dans les commentaires si vous préférez euh, voir euh, l'impression à lumière normale ou si, euh, comme j'ai choisi de le faire, le, la voir avec euh, une lumière rasante qui permet de mettre en valeur tous les défauts. Sur le 3D printer test, euh, donc on peut voir qu'on a un peu de ghosting, hein, le micro-décalage c'est normal, mis en valeur aussi par la lumière rasante. Euh, on arrive à distinguer ce qui est écrit euh, sur le, la partie plane euh, de, du 3D printer test. On peut voir sur la grande partie Overhang qu'il euh, qu y a eu un problème, hein, la bus s'est accrochée, ça a fait un petit effet rebond et ça, ça a accroché, donc j'ai dû arrêter l'impression, mais on peut voir sur la petite partie, elle s'en est très bien sortie jusqu'à 75 degrés sans aucun problème. J'ai ensuite imprimé un penchi en ABS avec de l'ABS violet d'EliFil de chez Fil Imprimante 3D donc j'ai encore une fois respecté les paramètres préconisés par Creality et on peut voir qu'elle s'en est plutôt bien sortie. Donc on peut voir là le Benchy sur le côté, c'était surtout pour vous montrer la couche qui est, qui est à revoir hein, sur, euh, sur l'interface avec le radeau. Et puis pour finir avec ce Benchy, je vous le montre à la lumière naturelle, hein, donc comme vous pourriez le voir si vous l'aviez entre les mains. Et puis on finira avec ce que je vais appeler la pièce maîtresse de ces impressions, c'est un buste de Dark Vador, euh, modélisé par euh, Eastman, que vous pouvez retrouver sur Thingiverse, qui a été imprimé avec le filament Galaxy Black de chez Wanao, qui est un très beau filament. Alors je préfère le Galaxy Black de chez Prusa, mais, euh, mais Wanao a fait euh, un très beau filament avec ce, ce Galaxy Black. Et on peut voir que les détails d'impression sont vraiment très réussis. On a une petite couture sur le casque que j'ai mal placé, mais dans l'ensemble on a une très belle impression et un très beau buste. Réalisé avec cette Under 3 euh, S1 Pro. On se retrouve maintenant pour le bilan de ce test de la Under 3 euh, S1 Pro. Alors euh, j'aurais tendance à te dire que euh, c'est l'imprimante de la maturité euh, pour la gamme Under 3 euh, chez Creality, malgré euh, quelques petits défauts. J'ai peut-être été un peu sévère, mais euh, par rapport au, à l'expérience de Creality, au prix de cette imprimante, euh, voilà, il y a quelques petits détails qui, qui font un peu grincer des dents. On attend de la part de cette marque, notamment avec un prix de machine à plus de 500 euros, que tous les détails soient peaufinés et n'est pas le cas, notamment sur le firmware. Mais ça reste tout de même une, une excellente imprimante. Hein. Je pense que à ce jour, c'est euh, une des meilleures imprimantes que j'ai pu tester et avec une qualité euh, qui est très bonne dès sa sortie de carton. Pour les petits défauts d'impression que vous avez pu voir, euh, voilà, en peaufinant les réglages et euh, en peaufinant euh, les paramètres du slicer, je pense qu'on peut les gommer assez facilement. Si aujourd'hui vous souhaitez démarrer dans l'impression 3D ou si vous avez déjà euh, une ou plusieurs imprimantes et que vous voulez euh, agrandir votre parc, et ben je pense que c'est une machine idéale. Hein, elle est très bien équipée, vous, elle est polyvalente. Vous allez pouvoir imprimer des filaments techniques, euh, voilà, avec son euh, capteur de nivellement, son plateau euh, magnétique. Euh, ça rend l'utilisation encore plus facile. Alors j'ai tourné cet outro quelques temps. Euh, après avoir testé la machine et fait euh, l'intro que vous avez pu voir en début de vidéo, euh, depuis le prix a évolué et puis c'est une bonne surprise puisqu'il a euh, évolué à la baisse. Alors on la trouve encore sur le site de Creality, sur le Creality Shop euh, européen. Alors j'ai pris quelques notes à 529 euros. Ça reste proche de ce que je vous ai annoncé avant. Mais euh, j'ai une très bonne surprise. Elle est aujourd'hui sur le site de GeekBuying qui m'a fourni cette machine pour que je puisse la tester, vous la présenter. Vous pouvez la trouver à 420 euros avec euh, 1 kg de filament euh, Creality. Donc, vous aurez, euh, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, une petite bobine, ce n'était pas suffisant et pour le prix, ce n'était pas, euh, pas très sympa. Là, vous aurez la petite bobine plus une bobine de 1 kg. Et puis surtout, je vous ai négocié euh, un code promo avec Geekbuying. Euh, qui devait se terminer le 28 février, j'ai redemandé s'il pouvait être étendu et du coup il est valable jusque. Je vous remettrai la date, mais je crois que c'est jusqu'au 30 mai. Euh, vous pourrez, avec le code promo que je vous mets juste en bas là, vous pourrez toucher cette machine à 365 euros. Et euh, je pense qu'à ce prix-là, c'est une machine où on peut aller les yeux fermés. Euh, c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment exceptionnel. À ce prix-là, c'est quasiment 200 euros de moins que ce que j'ai annoncé en début de vidéo. Donc euh, là, je pense que vous pouvez foncer. Si jamais vous n'avez jamais commandé chez Geekbuying, vous avez un peu peur. Euh, C'est vrai qu'il y a certains sites marchands qui ont pu fermer ou euh, avoir quelques petits problèmes. Euh, sachez que vous pouvez payer avec PayPal et PayPal 4 fois sans frais. Euh, ce qui fait que vous serez protégé à hauteur de 500 euros sur votre achat. Donc si jamais il y a un défaut de euh, service de chez Geekbuying, vous serez remboursé. Voilà, je vous ai aussi rajouté un lien partenaire IGRAL. Euh, e euh, Igral, c'est un site de cashback. Si vous connaissez pas, je vous invite à cliquer sur le lien partenaire et à regarder et vous inscrire si ça vous intéresse. Puisque Geekbuying est, euh, est éligible à, euh, au cashback Igral, vous aurez un cashback de 3% sur votre achat. Euh, 3 fois 15, voilà, ça fait 15 euros. C'est-à-dire que votre machine vous reviendrait au final plus qu'à 350 euros. Voilà, donc je vous, je vous mets tous les liens dans la description et puis c'est vous qui ferez euh, le choix en fonction de votre budget et en fonction de vos envies. Voilà, je voulais préciser que je n'étais pas rémunéré pour faire cette review sur cet Ender 3 S1 Pro, euh, que le, le site partenaire m'a fourni la machine gratuitement pour que je puisse vous la proposer. Euh, en revanche, vous trouverez des liens affiliés, que ce soit les liens IGRAL ou les liens Geek euh, C'est-à-dire que vous, vous payez la machine le prix qui est affiché, vous la payez pas plus cher. Et moi, je touche une petite commission sur vos achats. C'est comme les achats affiliés euh, qu'on peut trouver sur Amazon et d'autres sites. Voilà, j'espère que je vous aurez apprécié cette vidéo. J'ai essayé, comme à mon habitude, d'être le plus exhaustif possible, de tout vous montrer, hein, ce qu'il y a à l'intérieur de la machine, euh, ses petits défauts, ses qualités. Euh, voilà, si jamais il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, c'est très important hein, pour faire grandir la chaîne. Elle végète un peu, mais c'est aussi de ma faute parce que je suis pas très productif en ce moment. Euh, mais voilà, euh, un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir, ça aide à grandir la chaîne et ça aide aussi à avoir de la visibilité pour avoir de nouveaux partenaires. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ce sera probablement une imprimante 3D et ce sera une imprimante King Size. Je vous laisse aussi mettre dans le commentaire si vous savez euh, quelle imprimante ça peut être. Si vous me suivez sur les autres réseaux que euh, YouTube, vous avez sûrement dû voir des publications. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour cette prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.